Hallyday. Ça va? Ça va bien. Je voulais te remercier d'être là parce qu'il est un peu tard et qu'en ce moment, je sais que tu te lèves tôt, ce qui doit changer de tes habitudes quand même, parce que tu avais une réputation bien établie de prince de la nuit et que le cinéma, ça change de musical. Ça dépend ce que j'ai à faire. Quand je dois travailler tôt, je me couche tôt. Quand je travaille tard, je me lève plus tard. Et le cinéma, les gens ne savent pas souvent que le cinéma, ça commence à 7 heures du matin sur les plateaux. C'est... Oui, et pour ça, il faut se lever à 5 heures. Et voilà. Oui. Mais au cinéma, on tourne la journée et puis quand on fait de la musique, on travaille la nuit. Ouais. Alors tu auras fait les deux aujourd'hui ou presque. Oui, les deux, oui. Je voudrais te présenter quelqu'un qui est fou de la chanson que tu viens d'interpréter. C'est un fan. Michel, viens, sois pas timide. Je te présente Johnny Hallyday. Ah, Michel Berger. Monsieur. MB. Oui, Liage. Bonjour. Non, mais il faut pas commencer à dire que je suis fou de mes chansons parce que j'ai déjà une réputation de mégalo, alors là c'est... Non, mais j'aime bien la manière dont il le chante, par contre. C'est vrai. Mais ça, de toute façon, je crois que pour un auteur-compositeur, être interprété par Johnny, qui est une race en voie de disparition, parce qu'il y a plus d'interprètes, ou presque. C'est ce qu'on dit, en tous les cas. Non, enfin, c'est pas mal non plus de chanter des bonnes chansons. Ça y est, on s'envoie les fleurs. Non, pas du tout, mais c'est vrai. J'aime bien chanter les chansons de Michel Berger. Ouais. J'avais pas, c'est bien, bon, je trouve. Moi, je voulais tout à l'heure, je lui demandais si est-ce que les gens comprennent que c'est une chanson sur Tennessee Williams. Bon, depuis le temps que je dis que c'est Tennessee Williams, je crois qu'ils ont compris quand même, non? Bon, bah, écoute, ce n'est pas le Tennessee, c'est Tennessee Williams, le romancier. Ouais. Qui a provoqué cette rencontre et cette collaboration? C'est toi, Johnny, qui a pensé à un moment donné? On s'était déjà vu avant, quand même. Oui, on se connaissait quand même avant. Dans le métier depuis le temps. Mais j'avais très très envie de faire un disque avec Michel, et puis bon, son emploi du temps ne le permettait pas, et puis bon, jusqu'au jour où on a dîné ensemble après mon spectacle des Zéniths. D'ailleurs, tu vas faire le Zénith bientôt. Oui. C'est gentil. Et il est venu dans ma loge et il m'a dit, j'ai une idée comme ça. On a l'impression du moins qu'il faisait rien, qu'il m'attendait pendant des années. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Mais comme il le raconte, c'est ça. C'est pas ça, non, mais j'avais très envie de chanter des chansons de toi. Alors, vous êtes plutôt content de cette collaboration. Est-ce qu'on peut espérer une suite? Vous y pensez déjà? Pourquoi pas? Mais moi, je trouve qu'un album, c'est quelque chose de très complet. Et je m'habitue pas au fait que ce soit une chanson ou deux chansons, tu vois. Et là, ce qui est vraiment bien dans le disque de Johnny, c'est que c'est une chanson après l'autre. C'est la troisième, la Tennessee, l'album. Vrai. Et j'ai vraiment l'impression que l'album existe. Et ça, je trouve que c'est une joie formidable. Avant, c'était vraiment le 45 tours. Mais quand j'avais demandé à Michel d'écrire pour moi, j'avais demandé deux chansons ou trois chansons pour un album. Il m'avait dit, non, je ne vois pas ça comme ça. Moi, si je travaille un jour avec toi, ce sera pour faire un album complet. Et puis il fallait le temps, puis voilà. Je crois que l'époque a changé. Avant, on avait un 45 tours. Maintenant, les disques durent plus longtemps. On a plus la possibilité de s'exprimer. Ça, c'est bien. Belle aventure en tous les cas. Ah ouais. C'était vraiment un bon souvenir. On a été enfermé en studio beaucoup de nuits, mais c'était pas pour rien, quoi. Alors, après, il s'est enfermé pour lui-même. Ouais. Je m'enferme. Tu seras aux Zénith. Ma vie enfermée. Bien sûr que j'y serai. Oui. Et puis en plus, il va venir chanter. Tu vas faire une. Moi. Tu vas faire une belle salle. Ouais. Je vais chanter une fois Tennessee d'ailleurs. Moi, je vais faire la surprise, je vais venir chanter avec toi. Tu le sauras pas. Ah, d'accord.